Bonjour tout le monde. À ce moment, on va se rendre à l'accueillement, c'est toujours spécial. Alors, on va se faire Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs, notre communauté chrétienne est heureuse ce matin d'accueillir ses enfants devant l'autel qui vont tout à l'heure faire leur première communion. Nous prions pour eux. Nous prions pour leur famille et que par les grâces de cette Eucharistie, le Seigneur les accompagne pour qu'ils grandissent en taille, en sagesse et en intelligence. Au nom de la communauté, nous leur souhaitons la bienvenue à la table eucharistique. Avec eux, avec leurs amis et leurs parents, nous allons donc célébrer cette Eucharistie en ce dimanche de la miséricorde divine. Veuillez rejoindre vos places, aller à côté de vos parents. Allez-y, descendez doucement. On se met debout. On demande maintenant à tous les autres enfants qui ne font pas la première communion d'aller pour leur célébration avec l'animatrice. On les attend à la chapelle. Au cours de cette messe, nous prions pour le repos éternel de Yvonne Villeneuve, messe demandée par sa fille Noëlla. Messe d'action de grâce au Seigneur pour Abraham Sawiri Kwaku. Messe pour le repos éternel de Plamidi, demandé par Daniel. Nous prions aussi, frères et sœurs, à notre communauté chrétienne et aux intentions de nos familles respectives. En ce dimanche de la miséricorde divine, Dieu nous envoie vers nos frères et sœurs pour leur communiquer la paix du ressuscité. Nous manquons parfois de souffle lorsque nous découvrons
toute la confiance qu'il nous accorde, implorant son infinie bienveillance. Seigneur Jésus, tu nous transmets la mission confiée par le Père. Remets-nous notre péché et prends pitié de nous. Ô Christ, tu partages avec nous l'élan de ta résurrection. Remets-nous notre péché et prends pitié de nous. Seigneur, tu insuffles en nous ton esprit de pardon et de paix. Remets-nous notre péché et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant soit pour nous miséricorde, qu'il nous pardonne nos fautes et nous conduise dans la paix jusqu'à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu d'éternelle miséricorde, chaque année par la célébration pascale, tu ranimes la foi du peuple qui t'est consacré. Fais grandir le don de ta grâce, afin que tous comprennent vraiment quel baptême les a purifiés, quel esprit les a fait renaître et quel sang les a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avaient un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun.
C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient. Ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu. Gardez ses commandements. Et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. Parole du Seigneur. Thank you.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'est après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint. Et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu, » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et pour qu'en croyant, vous... Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, avec ce deuxième dimanche de Pâques, nous mettons fin à l'octave pascale, c'est-à-dire la semaine qui suit avant la fête de Pâques. Dans l'octave de Pâques, il y a 2 éléments essentiels. Le premier élément, l'élément le plus naturel, c'est la déception des disciples de Jésus, le découragement, le désespoir. Et dans cette semaine, l'Évangile nous a présenté certaines personnes qui ont manifesté de manière ouverte cette déception. Il y a Marie-Madeleine qui est partie au tombeau
et qui s'est mise à pleurer parce qu'elle ne voyait pas le corps du Seigneur. Il y a aussi cet évangile que nous connaissons bien, les disciples d'Emmaüs, des gens qui ont tout abandonné, qui ont suivi Jésus, et le résultat, ils ont tué Jésus à la croix. Cet épisode nous raconte aussi le retour de ces deux disciples dans leur village. Et sur le chemin du retour, on voit le contenu de leur discussion. Ils étaient tellement désespérés et ils disaient même, on avait cru que c'est lui qui allait sauver Israël. Il y a encore des disciples, les Simon et d'autres disciples, dans cette semaine, on a vu aussi leur déception. Des gens, ils sont retournés à leurs activités ordinaires, à la pêche, parce que leur espoir est déçu. Donc, ils retournent à leur activité d'antan. Le deuxième élément, c'est les apparitions de Jésus. Jésus qui est ressuscité, il apparaît à ses disciples. Et toutes les étapes de ces personnes que je viens de citer, Jésus vient maintenant pour leur donner le courage, pour leur ouvrir l'intelligence à croire à cette résurrection et à ne pas être désespéré. Au tombeau, à côté de Marie-Madeleine, c'est Jésus qui vient et qui appelle Marie-Madeleine par son nom, qui lui montre que c'est moi, Jésus le vivant, va dire à mes frères qu'on va se retrouver en Galilée. Dans l'épisode des disciples de Maïs, on voit Jésus aussi qui rejoint les disciples dans la marche. Et Jésus a commencé à les questionner. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à raconter. Jésus aussi a essayé de leur remonter le moral en expliquant la parole de Dieu et en partageant le repas avec eux. Les disciples qui étaient repartis aussi à la pêche, à leurs activités quotidiennes, Jésus les rejoint, où il les avait même appelés au préalable sur le lac de Tibériade. C'est là aussi Jésus vient les rejoindre pour se montrer à eux comme le ressuscité. Aujourd'hui aussi, dans l'Évangile, on voit Jésus qui vient aussi rejoindre les apôtres qui aussi étaient désespérés. Et ils avaient même plus peur. Si notre maître a été tué, quel sera notre sort? La raison pour laquelle ses disciples se sont enfermés dans la maison, par peur des Juifs. Aujourd'hui aussi, Jésus les rejoint dans cette maison fermée. Et la première parole qui sort de la bouche de Jésus, Jésus dit, la paix soit avec vous. Cette salutation de Jésus, c'est comme un mot d'encouragement pour revigorer les disciples, pour leur dire simplement, calmez-vous, ne vous affolez plus. Cessez d'avoir peur. Je suis de nouveau avec vous. Chers frères et sœurs, cette salutation de Jésus, nous avons besoin tous et toutes d'entendre ces paroles d'encouragement, d'entendre ces paroles de consolation, d'entendre ces paroles qui redonnent un peu de souffle à notre vie. Cette paix que le Christ donne est plus que jamais indispensable pour nous tous et pour nous toutes aujourd'hui. Car la souffrance et le désarroi que causent les multiples difficultés quotidiennes que chacun et chacune de nous rencontre sème de fois le trouble dans notre cœur, sème de fois le trouble dans notre vie. Comment on peut être attentif ou attentive au prochain, même à Dieu, si nous n'avons pas la paix? La paix, c'est la base sur laquelle on peut construire notre propre vie, mais aussi on peut construire une fraternité durable. La paix
que le Seigneur nous donne, c'est une paix durable, mais surtout une paix intérieure. C'est une paix qui nous soulage au-dedans de nous-mêmes. Chers frères et sœurs, dans la vie de chacun, le Christ nous rejoint personnellement aujourd'hui et il nous donne cette paix. Il nous accorde cette paix. On sait ce que chacun et chacune vit, peut-être dans le quotidien de sa vie, à des moments même, on est au point d'abandonner tout. Mais le Seigneur nous dit aujourd'hui, la paix soit avec vous, calmez-vous, ne vous affolez pas, je suis toujours avec vous. Le Seigneur nous rejoint dans nos situations ordinaires de la vie. Il nous rejoint dans nos activités ordinaires de la vie. Le Seigneur nous donne sa paix, mais en même temps, il nous accorde aussi sa miséricorde. Ce n'est pas évident que dans les moments troubles, on soit toujours fidèle à Dieu. Nous l'avons vu pour Simon-Pierre, qui avait juré sur tous les toits qu'il ne va jamais abandonner le Seigneur. Oh, Simon-Pierre a abandonné le Seigneur devant une petite fille. Simon a renié le Seigneur, mais à la fin, le Seigneur aussi lui a accordé son pardon. Il arrive des fois que nous abandonnions le Seigneur, mais le Seigneur accorde son pardon. C'est pourquoi aujourd'hui, ce dimanche, il a appelé dimanche de la miséricorde. Dimanche de la miséricorde pour nous montrer à tel point que Dieu nous aime. L'amour de Dieu envers nous ne fait jamais de faux. Dieu nous saisit toujours par la main. Dieu nous soutient, il nous relève et il nous guide. C'est pourquoi il demande à ses apôtres d'être ses dispensateurs de cette miséricorde. Il dit, tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez les péchés, ils lui seront maintenus. Quand nous nous détournons, frères et sœurs du Seigneur, il est toujours là. Il ne cesse de nous rejoindre pour nous apporter sa paix et nous rejoint au cœur de nos vies, de nos joies et surtout de nos épreuves. C'est auprès de Dieu que nous pouvons trouver la vraie joie. Nous savons que désormais, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et la parole de Dieu complète, là où le péché a abandonné, l'amour miséricordieux de Dieu a surabondé. Le Christ, en communiquant à ses disciples la tâche de la miséricorde, c'est à chacun et à chacune aujourd'hui que le Seigneur confie cette tâche. N'enfermons pas nos frères et sœurs dans leur tort ou dans leur péché. Certainement que ces personnes que nous catalysons, ces personnes-là, ont fait même les mea culpa, leur confession, leur contrition dans leur cœur. Mais ce que Dieu nous demande nous-mêmes, c'est de libérer nos frères et sœurs de ne pas être dans cette situation haineuse, de ne pas être dans cette situation de rancune, mais de les libérer parce que nous avons été les premiers bénéficiaires de l'amour de Dieu. Et Saint Jean-Paul II disait, « Le Christ nous enseignait que l'homme non seulement reçoit et expérimente la miséricorde de Dieu, mais aussi qu'il est appelé à son tour à faire miséricorde aux autres. Bienheureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. » Aujourd'hui, l'exemple des premiers chrétiens peut nous aider à être plus fraternels, à être plus miséricordieux et solidaires. Dans la première lecture, on voit des chrétiens qui se dévouent au service des autres. Témoigner du Christ ressuscité aujourd'hui, c'est être porteur de son amour et de sa miséricorde. Il faut que cela se voie de manière concrète dans nos communautés chrétiennes. La paix, la miséricorde et la foi construisent de manière durable nos communautés
à l'exemple de celle que les apôtres nous décrivent dans la première lecture. Les mêmes valeurs de paix, de miséricorde et de foi nous font renaître à la résurrection, comme nous l'affirme aussi l'apôtre Pierre dans la deuxième lecture. En ce dimanche, où nous faisons la divine miséricorde, nous allons prier de manière particulière pour tous ces enfants qui vont s'approcher pour la première fois de la table eucharistique. C'est l'occasion pour nous de dire merci à tous ces parents, à toutes ces familles qui ont pris la responsabilité d'accompagner leurs enfants, d'abord pour la préparation et ensuite aujourd'hui pour recevoir la première communion. Vous avez fait ce que vous avez à faire et vous devrez continuer à faire ce que vous devrez faire. La première communion n'est pas la dernière communion. C'est le commencement des communions. Et il faut toujours donner cette envie à vos enfants de s'approcher de la table eucharistique. Hier, je disais, le même engouement qui vous a animé à venir à la préparation, il faut doubler cet engouement à partir d'aujourd'hui pour accompagner aussi vos enfants à la messe, pour que les enfants puissent se nourrir du corps du Christ. Je ne vois pas un parent qui, le matin, va laisser le sac à manger vide de son enfant pour qu'il parte à l'école. Avant que les enfants ne partent à l'école, vous préparez leur sac, vous mettez la nourriture dedans pour que l'enfant se nourrisse, pour qu'il puisse bien travailler. De la même manière, vous devez aussi préparer le sac de la communion. La communion ne se donne pas à la maison, elle se donne à l'église. Donc, je vous invite à faire cet effort d'accompagner aussi, de temps en temps, pour ne pas dire tous les dimanches, vos enfants à venir aussi prendre la communion pour recevoir cette grâce de Dieu. On nourrit notre physique, il faut nourrir aussi notre âme. L'homme n'est pas seulement que corps, corps et âme. Et les deux ont besoin d'être nourris. On nourrit le corps, il faut aussi nourrir l'âme. Nous allons demander au Seigneur, en ce dimanche de la miséricorde, de nous rendre plus disponibles à la force de la foi. Que le Seigneur soit toujours au milieu de nous et qu'il nous accompagne dans nos difficultés que nous rencontrons. Que les grâces de cette Eucharistie accompagnent tous les enfants qui vont recevoir tout à l'heure le corps du Christ. Tous ces enfants qui vont recevoir la première communion. Non, asseyez-vous, s'il vous plaît. J'explique ce que nous allons faire tout à l'heure. Tous ces enfants ont été baptisés bébés. Et lors de leur baptême, c'est soit les parents ou les parrains et marraines qui ont professé la foi à leur place. L'Église vous a fait confiance en baptisant ces enfants au nom de votre foi. Aujourd'hui, ces enfants, ils ont la capacité eux-mêmes de parler. Donc, nous allons les appeler. Ils vont confirmer ou infirmer ce que vous avez dit à leur place. Donc, ils vont venir et, comme nous avons professé la foi à leur place, et aujourd'hui, ils vont faire le credo à notre place. Ne soyez pas stressés, soyez tranquilles, relax. Parlez plus fort pour qu'on entende jusqu'au stationnement là-bas. Hein? Donc, quand le tonton va parler, vous répétez après lui. Parlez fort, n'ayez pas peur, on vous attend, c'est votre jour, on vous écoute. Alors, je demande aux jeunes qui font la première communion et seulement aux jeunes de répéter après moi. Je crois en Dieu,
le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate. Non, Ponce Pilate, c'est toujours difficile, c'est pas grave, continuez. A été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Ah, André, vous êtes fatigué? Est descendu aux enfers. Allez fort. Voilà. Enfer, là, vous connaissez même. Est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts. Est monté aux cieux. Est assis à la droite de Dieu le Père, Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Maintenant, nous allons nous mettre debout pour la prière universelle. Dans son immense miséricorde, le Seigneur écoute les gens qui se tournent vers lui. Adressons-lui notre prière avec confiance. Prions pour tous ceux et celles qui consacrent leur vie à contempler les signes de la présence du ressuscité, que leur engagement quotidien alimente leur miséricorde. Prions pour les gens qui aspirent à vivre leur foi dans un contexte hostile à la religion, que leur recherche de sérénité soit comblée par la présence de Jésus. Prions pour les personnes baptisées durant la nuit de Pâques, qu'elles s'emploient à manifester au grand jour les trésors de miséricorde reçus de Dieu. Prions pour les artisanes et les artisans de paix, que leurs actions produisent des fruits de réconciliation et de réparation. Prions pour les membres de notre communauté, qu'ils déverrouillent les portes de leur cœur afin de soutenir les plus vulnérables de la société. Dieu notre Père, ton Fils ressuscité vient nous redonner souffle et entraîne sur la route de notre quotidien. Éclaire-nous de ton esprit de vérité pour que nous puissions continuer de marcher dans la direction que tu nous indiques. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille-nous en priant, Seigneur, les offrandes de ton peuple, et en particulier de ceux que tu as fait renaître. Ils ont été renouvelés en confessant ton nom et en recevant le baptême. Accorde-leur de parvenir au bonheur sans fin, par le Christ notre Seigneur. Soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort, en ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint, et tu essaies de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Jésus, je t'aime.
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oration de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Anne, et tous les saints qui essaient d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre Pape François, et notre évêque Thomas, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Seigneur, pas des baptisés du Pâques, que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Écoute en ta bonté la prière de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Écoute la prière de tous ces enfants qui feront leur première communion. Écoute la prière de notre communauté ici rassemblée. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et passe devant toi, nous te prions. Nous te prions pour Yvonne Villeneuve et Plamidi recommandés à cette Eucharistie. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, les invités au repas des noces de l'agneau.
corps du Christ. Le corps du Christ.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs, par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Avant de passer à la remise des certificats de première communion, deux petites annonces. Nous commençons la préparation à la confirmation le mardi prochain à 18h ici à l'église. Il y a deux dates au choix, soit le mardi 9 avril ou le mercredi 10 avril, toujours à 18h. C'est-à-dire 6 heures du soir. Demain lundi, c'est la fête de l'Annonciation du Seigneur. Normalement, la fête de l'Annonciation, c'est le 25 mars. Mais comme cette année, le 25 mars, nous étions déjà dans la Semaine Sainte, cette fête a été reportée à demain. Habituellement, on n'a pas de messe le lundi, mais compte tenu de l'importance de cette fête, on aura une messe demain à midi. Nous allons maintenant donner le certificat de première communion. Isaac Cuevas Puerta. Alia Charette. Kat Walters. Isabelle Gould. Emma Repich. Vinley Dubois Meunier. Lexa Cruz. Margot Todd. Alexander. Joshua Kerwin.
Eliane Thériault-Rockery. Encore, nous disons une grande félicitation à tous ces enfants qui ont fait la première communion. Nous les applaudissons très, très fort. Vous répondrez Amen. Le Seigneur soit avec vous. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous accorde le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Amen. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais. Qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Par la foi au baptême, vous êtes déjà ressuscité. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descend sur vous et demeure toujours. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia.